Comment expliquer que la jeune chrétienne Kinza Sindhu, 14 ans, ait été violée et convertie de force à l'islam, ainsi que des dizaines d'autres jeunes filles au Pakistan, le pays des purs, sinon parce que leurs bourreaux musulmans prennent exemple sur Mahomet qui a déclaré le djihad, cette guerre universelle et perpétuelle contre les non-musulmans, Coran 9:44. Ce qui lui donnait le droit en particulier de réduire en esclavage sexuel les jeunes filles, Coran 33:52. De plus, convertir quelqu'un à l'islam fait gagner des bons points pour le paradis. Et que ce soit par ruse ou par force n'a pas d'importance, car Allah sait mieux. Et il est si miséricordieux que juges et avocats craignent de faire leur travail, et que nombre de parents renoncent à porter plainte et à revoir leur enfant libre. Mais Allah est grand et Mahomet est son prophète.